Après Gaïa et Corémeroua, le président de la République Mohamed Bazoum, pour la dernière étape de sa tournée de travail et de proximité dans la région de Dosso, était l'hôte des populations du département de Dogondouchi qui lui ont réservé un accueil très enthousiaste le long de son trajet et surtout à Dankassari, lieu du meeting prévu. La situation sécuritaire à Douchi de manière générale et à Dankassari en particulier était au cœur du rassemblement. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous partageons une longue frontière avec le Nigeria. Du fait de cette position géographique, la commune de Dankassari fait face à d'énormes défis sécuritaires notamment. Les enlèvements des personnes contre rançon ayant coûté plus de 35 millions ont créé une psychose au sein des populations des villages frontaliers. Les arrivées épisodiques des réfugiés nigériens apeurés par les actes de kidnapping qui sévissent dans leurs villages. La persistance de la fraude du carburant. Face à ces menaces, l'État a pris certaines mesures salutaires afin de sécuriser les populations et leurs biens, notamment la création d'un escadron mobile de gendarmerie qui patrouille régulièrement la zone. Cependant, l'existence de complicités locales et l'ampleur de l'insécurité de l'autre côté de nos frontières réduisent l'efficacité des interventions de cette unité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au regard de ces menaces et les contraintes sécuritaires, nous recommandons ce qui suit. La création d'unités dans les zones de Soukoukoutan et Dogon-Iria. Le renforcement des capacités opérationnelles des unités de la place en ressources humaines et matérielles conséquentes. La création des activités génératrices de revenus pour les jeunes désœuvrés. Le renforcement des capacités interformationnelles des conseils départementaux de sécurité. Le renforcement de l'interopérabilité du CDS avec des entités voisines. La révision à la hausse des appuis de la haute autorité à la consolidation de la paix au conseil départemental de sécurité. En réponse, le chef de l'État qui s'est réjoui de la mobilisation exceptionnelle autour de l'événement a décidé du déploiement d'un escadron de la garde nationale du Niger GNN dans l'immédiat à Dogon-Kriya et dans les meilleurs délais à Soukoutan et du renforcement des capacités opérationnelles de la gendarmerie nationale à Dankassari pour une meilleure couverture de l'espace et une plus grande capacité de réaction des forces de défense et de sécurité FDS. Le président de la République a saisi l'opportunité pour réitérer son engagement à améliorer la situation des populations dans le domaine de l'éducation avec le programme Zéro Classe en Payotte, la santé, l'énergie, le transport. Pour ce dernier domaine, justement, le chef de l'État qui accorde un intérêt particulier au désenclavement de localités, surtout celles à forte potentialité agro-silvopastorale, a mis cap sur Loga pour visiter le chantier de réalisation de la route Loga-Douchi. Là également, la population est sortie massivement pour l'accueillir.
Après ce bain de foule, le président de la République, Mohamed Bazoum, s'est enquis en présence de Mohamed Moussa Morey, PDG de l'entreprise Morey, adjudicatrice du marché de l'état d'avancement des travaux. Il faut dire qu'il s'agit du projet d'aménagement et de bitumage de la route Logadouchi, 91 km, composé de deux lots, à savoir le lot 1, Loga PK30, dont l'état d'avancement des travaux est de 65% pour un délai consommé de 96%, et le lot 2, PK30 Douchi, 61 km, dont l'état d'avancement est de 17% pour un délai consommé de 37,5%. Il faut noter que le lot 1 est financé sur fonds propres de l'État, environ 19 milliards de francs CFA, et le lot 2 exécuté avec l'entreprise Ezico est un financement des partenaires, notamment la BADEA, plus de 20 milliards de francs CFA. Les travaux avancent normalement, à la grande satisfaction du chef de l'État, Mohamed Bazoum, qui boucle ainsi sa visite de travail et de proximité de 72 heures dans la région de Dosso.